Et bonjour à tous et bienvenue, bienvenue pour un nouvel épisode de Fallout 3. On est toujours dans le DLC Opération Anchorage. En avant. Alors, c'est vous qui commandez le groupement suicide de Patterson, hein? Groupement suicide, pourquoi l'appelle-t-on comme ça? Il vous faut vraiment une réponse? On vous confie pas des cibles civiles, vous savez? Vous êtes chez les grands, là. Quoi qu'il en soit, mon rôle est d'aider pour le renseignement et la logistique. Suffit de demander. Ce groupement tactique, je n'ai encore jamais commandé de ce type d'unité. Pas de soucis, votre chef de groupe sera le sergent Montgomery, et il connaît bien son équipe. S'il vous faut quelque chose, par exemple des renforts ou des comptes rendus de situation, voyez avec lui. Bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour vous avant votre départ sur le terrain? Il faut que je discute du groupement tactique. D'accord, c'est pour ça que je suis là. Comment je constitue mon groupe tactique? Oncle Sam vous a mâché le travail. Il vous suffit d'utiliser le terminal de Patterson, ici, dans la tente de commandement. Utilisez les marqueurs de recrutement que je vous ai donnés et choisissez vos équipiers comme vous l'entendez. Ensuite, filez à la caserne et vos hommes seront prêts. Je peux pas simplement prendre un tas de types avec moi? Ça, non. Plus le groupement sera nombreux, plus vous serez détectable par les capteurs chinois. Il faut penser petit, tout petit. Les marqueurs de recrutement que je vous ai donnés indiqueront la taille de groupement à avoir pour rester le plus discret possible. Pour faire simple, si vous prenez un gros robot balourd, il vous restera plus de place pour grand monde. À vous de voir. Et si je perds quelqu'un? Si vous perdez un membre, vous pourrez toujours demander au chef de groupe de le remplacer. Je voudrais vous donner en compte rendu de Rance. C'est ma spécialité. Sur quelle cible voulez-vous des infos? Ouais, au final, non. Ça va aller. Il me faut du nouveau matériel. Vous pouvez m'arranger ça? Je peux. Utilisez le terminal de D'accord. réquisition qui est dans la tente de commandement. Choisissez la dotation dont vous avez besoin et le terminal sortira un holo de réquisition. Ensuite, C'est apportez-le à l'intendant. D'accord. Ah, l'administration. C'est le royaume de la paperasse, pas vrai? Rappelez. Je crois qu'il est temps de montrer à ces fumiers de rouge ce que vaut l'US Armée. Ouais, je suppose. Terminal de réquisition, donc moi j'avais dit que je voulais le paquetage sniper. Assister. Physique calibre 12. Mais ça c'est pas. Ah, c'est pas paquetage corps à corps, mais pourquoi ça bug comme ça? Ah, mais il y a deux paquetages corps à corps. Pourquoi ça bug? Qualifié pactage, voir intendant. Ouais, bon, bref, peu importe. Corps à corps. Bon, bah tant pis, on sera encore à corps, hein. Mais ça a complètement bugué. Ça, c'est pour mes troupes, je suppose. Donc, on va prendre. Je sais pas trop. Prendre deux snipers et un fantassin. Voilà. Déployer le groupement. Ouais, parfait. Faut que je vais voir l'intendant maintenant. C'est pas toi? Oh, sympa! À vos ordres. Ah, ce sont les fameuses armures T51. À vos ordres. Ouh, elles sont jolies. Oh, tu diras si je suis le T51B, mais bon. C'est pas faux en soi. Monsieur s'entraîne, je vois. Très bien. Attendant. Qu'est-ce qu'il vous faut, soldat? Discours. Vous savez très bien ce que vous avez. Et très bien, mais il me faut plus de punch. Hey, vous avez gagné le respect des soldats avec ce que vous avez fait à ces pièces d'artillerie chinoises. Je vais vous dire. Prenez ça en plus. Tant pis pour les formulaires. Si on vous pose des questions, c'est tombé d'un camion. Oh, merci, c'est exactement ce que je voulais. Je suis prêt pour le corps à corps, voilà mon autre disque de réquisition. Tout a l'air d'être en ordre. Voilà. C'est pas du tout ce que je voulais, mais tant pis. Rappelez-vous que ce matériel appartient à l'oncle Sam. J'espère que vous ne vous êtes pas trop fait amocher. Il me faut d'autres munitions. Servez-vous. Tout ce dont vous pouvez avoir besoin devrait être dans les caisses de munitions. Très bien. Voyons voir, donc ils nous ont ordonné de l'équipement. Alors le fusil Gauss on va le mettre en 4. Le calibre 12 on va le mettre en 2. Le 10 mm on va le mettre en 1. Le point assisté, bah, je peux le mettre en 3. Pourquoi pas? Le 10 mm en 1. Le calibre 12 en 2. Le point assisté en 3.
puis le fusil gauche. Très bien. Le missile, on s'en fout un peu. Bon, alors, je rappelle. On a un tas de soldats chinois à tuer. Eh bien, on dirait qu'on va de nouveau travailler ensemble. Semblerait. Le général Chase m'a affecté au groupement tactique. Et compte tenu de votre promotion, je crois que je vais devoir vous saluer maintenant. Ça suffit, il doit y avoir un moyen d'arrêter cette assimilation. Un mot de passe ? Non, on va pas faire ça, on va continuer. Ah si, pour les compliments, sergent. Vous les méritez largement. Vous n'avez pas idée du nombre de gus que vous avez sauvés en détruisant ces pièces d'artillerie. Bah, une journée ordinaire, Benji. Une journée ordinaire, hein ? C'est ça. Tous les matins, je me lève et j'infiltre tout seul une base infestée de cocos pour une mission suicide. Avec vous comme exemple, on va transformer nos gars en machines à tuer. J'y compte bien. Pas de soucis, Benji, je ferai des officiers de chacun d'eux. C'est le genre de choses que j'aime entendre. Maintenant, on passe aux choses importantes, d'accord ? Alors, où on est ce groupement ? Tout le monde est prêt à botter quelques culs communistes ? Quels sont les ordres ? Bien en avant. Attendez-moi à l'extérieur de la ville minière sur le chemin de l'avant-poste. Reçu, on est en route. On vous attendra à la ville minière. Des millions. Alors va falloir se remuer. Faire du vrai boulot de soldat. Bon bah c'est parti. Hein. Je vais les suivre. À vos ordres. J'essaie de faire gaffe quand même. On a un fantassin, deux snipers. C'est censé être un groupe orienté discrétion, mais bon. J'ai peur que le Lian ne soit pas aussi discrète que ça. Je suppose que c'est ici. Que j'en vois quelques-uns. Non. Putain, l'adrénaline me fait trembler. Comment vous faites pour tenir ? J'ai ce tic au sourcil. Oh. Celui que j'ai quand il y a des cocos dans... La ville minière grouille de soldats cocos. On reste ici pour le moment. Quels sont les ordres ? Bah, vous savez quoi ? Restez ici. Entendu. Dans le coin, ça va être une bonne journée. J'ai des snipers, hein. Je sais pas ce qu'ils ont leur équipement. Tactique. Je suppose que ce sont des dragons écarlates. Tiens. Oh. Attends, les balles sont trop précieuses pour que je les gâche. Vous voyez ce que je disais dans l'épisode précédent, etc. Ce qui est un petit problème, c'est que parfois, ça lui arrive de juste rater sa cible. Quand tu vises en pleine tête, notamment. Boum. Oh, t'es là-haut. J'attends qu'il me lâche en furtivité. T'as vu, ça c'est un vrai problème dans ce jeu, c'est que la furtivité ne fonctionne vraiment pas. C'est un vrai dommage. C'est vraiment dommage. Et quand tu en tires dessus, ils prennent pas beaucoup de dégâts, c'est très, très étrange comme arme. Bah ils l'ont tué. Bon bah suivez-moi dans ce cas, hein. Tant pis. Hein. Encore un, mais on le voit pas encore. Où ça? Boum, il n'y a plus de style. Oui, ça tire lance grenade. Bon, tant pis pour la furtivité, on va y aller au pompe. C'est tout aussi bien. Sur la furtivité dans ce jeu, ça fonctionne trop mal, donc on est off.
D'ailleurs, c'est bien dommage que la furtivité fonctionne mal. J'aurais dû prendre exemple sur les gens qui ont fait Dishonored. Ben, je crois que Dishonored est apparu après, mais... Attends, j'ai pas la bonne arme. Il est un peu trop loin pour le pompe. Alors, lâche ton arme, mon grand. T'as pas envie de la lâcher, hein. Ok, on va y aller au pompe. Même s'il est un peu loin. Oh, un soldat américain, nice. On pourra le libérer. Ces putains de cocos m'ont eu par surprise. Ne dites à personne que vous m'avez trouvé dans cette situation. Bah non, t'inquiète. T'inquiète, mon grand. Alors, j'allais où? Pas question. En face, peut-être? Ils ont morflé les miens par contre. Côté négatif. Je crois qu'il est mort. Il est mort, tu crois? Ouais, je crois. Maintenant, il est mort. C'est un véritable ennemi, un sniper ici. On se fait tirer de partout. Bon, ok, c'était pas la meilleure idée. Ah, ma vie, j'ai mal. Ouais, j'aurais peut-être pas dû bourrer. J'ai peut-être un peu trop bourré. Ok, on n'est pas loin. On y est presque. Je peux pas me soigner en plus, c'est terrible. Oh, vas-y, mais j'en ai marre cette arme. À côté. Attends, je reprends la save. Cette arme pue. Enfin, j'aime bien son design, hein, mais je sais pas. Elle manque un peu de. D'un petit quelque chose. J'en ai encore plein la musette. J'ai juste des torses, ça. Oh non! Ça va? On va bien? Ça a l'air d'aller. Bon, par contre, ça va pas des masses. Hein. Ça va pas du tout. Moment, je peux mourir. J'ai peut-être un peu trop bourré. Un petit soin, ce serait pas de refuge de mettre. Ouais, tu veux bien perdre ton arme? Merci. Ça l'a projeté en fait. C'est là que c'est incroyable. C'est incroyable. Elle est pas mal, hein. 5 secondes, je vais te dire que c'était une arme horrible, tu sais. Ça fait rien. Je suis un peu plus en danger, vu que j'ai pas beaucoup de vie, je suis obligé de gérer un peu plus
intelligemment, disons. Technicien, il n'y a pas de technicien, il va... Ah, je me dis que c'est un peu de gâchis. Hein. C'est un peu du gâchis. Il allait appeler, je crois qu'il allait appeler des renforts. Oh, oh, je t'ai vu du coin de l'œil, toi, mon coco. Et sans faire le jeu de mots, hein. J'ai pas chance, quand je suis en slave, je prends moins de dégâts. J'ai remarqué ça dernièrement. Ça. Recule, recule, Montgomery. C'est pas le moment. Non, il va pas reculer. Il va évidemment pas reculer. Aïe, aïe, aïe. Heureusement que j'ai cette arme parce que... Dis-moi qu'il y a du soin pas loin. Oh. J'aimerais d'ailleurs qu'on ait plus que deux avec Montgomery. Il y a du monde ici. Je sais pas si ça passe, j'ai faim de sauvegarde, on va tester. Il y en a un juste là. Oui, ça l'a touché. Un autre là-bas. Pas là-bas tué. Montgomery, à toi. Je te laisse sur mon grand. Non, Montgomery s'en fout. Là-bas, là-bas, chopé. Je suis à 1 PV. Il y avait un troisième normalement. Bon, par chance, il y a du soin ici. Ah, je m'en doutais qu'il y en a encore un. J'aimerais qu'il ne tape pas trop fort sur mon pote. Je vais au moins le rendre infirme de son bras. Voilà. Parfait, on a pu faire le soin, on a pu faire le plein au niveau soins et compagnie. C'est le plus important. Je viens de me libérer d'un poids. T'es un peu en galère jusqu'ici. On va essayer de faire un peu plus attention. Heureusement que tu dis que je ferai plus attention. Boom. Heureusement que le save existe. Hein. Qu'est-ce que je fais sans là y a rien, là y a... Ah, je dis à des cartouches de cigarettes, mais on n'est pas dans le... On est dans la réalité virtuelle actuellement. Coucou.
J'aurais dû utiliser les svav, mais... Oh. Ça devrait être le dernier. Attends, et attends. Surtout le dernier bombardement contre nos gars. Grâce à vous. Je vais ordonner à nos hommes de rentrer au PC de campagne. Très bien. On se retrouve là-bas. Ok, on fait comme ça. Mais il y a un problème ici. Mais non, mais... Mais... Ça m'a téléporté. Est-ce que quoi? What the heck? À vos ordres. Bon, soit. On se casse. À vos ordres. Alors, voyons voir. Donc, notre prochain objectif, c'est par là-bas. Allons-y. Je vais faire de vous des stars. Prenez une pause héroïque. Ah oui, mais ça, c'est... Je reconnais ce moment, c'est quand... vous savez, dans Washington D.C., on peut trouver une statue avec ses soldats, justement. Excellent. Le Capital Post vous remercie. Qui sait, peut-être que quelqu'un transformera cette photo en statue un jour. Voilà, exactement. Bon, tâchez de ne pas vous faire tuer, d'accord ? Dieu vous bénisse et Dieu Il me manque le fantassin. Bon, bah. On tient la ville minière. On attend vos nouveaux ordres. Attends. Je vais repiter et retourner au... Ah bah attends, est-ce que tu crois que je peux... Marqueur de recrutement, ok. Ah merde, tant pis. Bon, pire, peu importe. Vous faites un sacré... Allez, on y va, mon gombré. Avant-poste nettoyé. Attendez-moi après du coup, mange les chinois sur le chemin du dépôt de Chimera. Reçu, on est en route. On vous attendra au campement gelé. On fait comme ça. Et moi, je joue aussi en même temps. Reste combien 8. Il me reste 9 munitions de fusil gosse. Intéressant, ça va. À vos ordres. Ce qui me fait peur, c'est que mes troupes sont en très mauvais état. What the fuck? Ah, c'est ce qu'il est derrière, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a pas ses propres troupes? Non, c'est ses propres troupes ennemies. À vos ordres. Le campement, je. Allez, on y va. On va essayer d'aller un peu plus discret. On va tester, vite fait. J'aurais voulu jouer le sniper, mais enfin. Je déteste cette arme. Je déteste cette arme. Mais ta mère. Et pourquoi est-ce qu'elle tire à côté cette petite arme? Ça n'a aucun sens. Merci. J'avais déjà ce problème avec avec la même arme mais dans Fallout New Vegas. J'ai même ce même problème avec la version dans Fallout 4. L'arme tire à côté, tu sais pas pourquoi. C'est space, mais enfin, c'est comme ça. Oum. Vas-y, je devrais garder cette arme pour des ennemis un peu plus énervés. Le chien a l'air gentil. On est discret, mais discret. Pareil, parfois tu tires en plus. Et tu sais pas pourquoi, mais le. Les dégâts ne sortent pas. Ça, c'est étrange. Déchiffrer. N'hésitez pas à faire pause. Je les attends ici, c'est ça plus simple. Que les dégirades ils sont sur un chien, alors petit. Petit ratata. Adieu petit ratata. Oh si.
plus sur toi. Bah, je suppose que ça s'est plutôt bien géré. Ok, je l'ai vu, il est super loin. Je tente de passer en prudence. Voilà, merci. Normalement, il est quelque part là. Oh putain, je déteste cette arme. Je le répéterai jamais assez. Cette arme, un jour, elle me butera. Elle me butera. Parce qu'elle est mauvaise. Elle me rend fou, cette arme. J'aimerais qu'elle soit bien, tu vois, mais elle ne l'est pas. Il y a un problème dans son ciblage, je sais pas trop quoi, mais... Des renseignements intéressants. Bon, je vais les prendre, hein. On va pas les laisser là. Ce serait bête. C'est bon ce qu'on a trouvé là. Strictement rien. Très bien. Super. Bon, ça a pas l'air d'être de ce côté. Faut que je fasse le tour comme ça, à mon avis. Je pensais que c'était mon équipe. Boum! Ouais, c'est une petite explosion quand même. Bon bah, je vous lis bien. Ouais, on fait comme ça. La suite, c'est peut-être par là, je suppose. Un drôle d'environnement. Mais tu vois le DLC, drone araignée. Ce chapitre a un problème, c'est qu'il est un peu trop linéaire. Oh, d'accord. Je vois. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, en fait. Ah, je pensais que les machines araignées étaient une invention de 76, mais pas du tout. C'était déjà dans Fallout 3, intéressant. Alors, que l'on par ici. Il y en a un là-haut. Allez, s'il te plaît, cette fois-ci. Fusil Ghost, ne me déçois pas.
Je crois qu'il ne m'a pas déçu. En ce qui est sûr, c'est que, vu que je gagne pas le XP, va savoir si le kill est validé ou pas. Parce que je pouvais me dire, ok, le kill est validé parce que j'ai gagné l'XP. Là, vu que j'en gagne pas, XP, je peux pas savoir en fait. C'est assez déroutant. Non, là-haut. Oum. Lui, je l'ai vu exploser, donc je sais, je me doute bien qu'il est mort. Voilà l'usine. L'usine des chars Chimera. Et pas sans rappeler la base de Broken Steel qu'on avait exploré, base de dames aérienne. Des renseignements, pourquoi pas. Du soin, des munitions, je prends, hein. Ça c'est tout le temps. Hein. Voilà. Non, il n'y a rien à faire cette arme. Ça peut être un fusil sniper ultra puissant. Attends, il doit y avoir un autre moyen. Je dois pas avoir à affronter un chat. Pas étrange que de se battre contre un chat. Pas censé le faire péter. Qu'est-ce qu'il fait? Vite, on se tire. Aïe. Ah, oh, tu peux rester à côté, ça marche. Explose quand tu veux. Quand tu as niveau visé, c'est zéro. Hein. Voilà. Ah, le char, il a explosé avec. Génial. Ah, il s'est fait ce même moment. La discussion, c'est fini. Il a pris zéro dégâts, t'en reviens pas. Merde. Bon, de toute façon, ils font zéro dégâts. Ils sont vraiment pas humains là. Quoi? J'ai rien dit, il m'a écrasé. Hop, une charge. Ah bah il s'est bloqué là-dedans. C'est une connerie moi. J'ai peut-être fait une connerie. Archons Zelza pour me protéger. Là, il y a un distributeur sanitaire qui va me remettre full vie autant que je veux. Boum. Ah bah je vais téléporter. Je pense que là c'est la fin. Ça nique les yeux à chaque fois. Effectivement, bah c'est la fin. Alors je suppose que ce qui va suivre ce sera la dernière quête de l'opération Anchorage. Donc je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté en ma compagnie aussi longtemps, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire et même un petit abonnement si vraiment le cas vous en dit. Puis je vous retrouve très prochainement. Allez, tchuss!